Le vendredi 9 décembre, Anne-Elisabeth Lemoine animait un nouveau numéro de C'est à vous sur France 5. L'occasion pour elle de se remémorer un tendre souvenir lié à son fils aîné Arthur. En plus d'être une animatrice à succès, Anne-Elisabeth Lemoine est l'heureuse maman de deux garçons, Arthur, né en 2004, et Vasco, né en 2013, de ses amours avec l'architecte Philippe Coelho. Si la présentatrice de Cet à vous se confie assez rarement sur son cadet, elle ne manque jamais d'évoquer son fils aîné, que ce soit en interview ou sur le plateau du talk show de France 5. C'est d'ailleurs sur ce même plateau qu'elle en avait dit plus sur sa relation avec son fils Arthur durant la crise sanitaire. On s'engueule à longueur de soirée autour de cette question d'être solidaire, de combattre tous ensemble contre cette épidémie et de ne pas monter les générations les unes contre les autres, confiait-elle. Malgré ces petits accrochages, cela n'empêche pas la mère de famille d'être fière de son fils aîné, et de lui rendre un tendre hommage sur le plateau de C'est à vous. Un souvenir émouvant ce vendredi 9 décembre, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu le comédien Philippe Torton, venu promouvoir son livre Anthologie de la poésie française. Mais avant d'annoncer l'arrivée de son invité, la présentatrice a évoqué le poème que son fils Arthur lui avait écrit lorsqu'il avait 8 ans. Une petite œuvre qu'elle avait présentée aux autres chroniqueurs et à Anne-Sophie Lapix, qui était la présentatrice de C'est à vous à l'époque. Fière de son aîné, elle avait demandé au chanteur Grégoire, qui était l'un des invités de l'émission, de l'interpréter en musique. Mon poème à moi, c'est celui qu'avait écrit mon fils Arthur quand il avait 8 ans et que le chanteur Grégoire avait bien voulu mettre en musique, a-t-elle confié avant de lancer des images datant de mai 2015. Anne-Elisabeth Lemoine se confie ouvertement sur ses relations avec son fils aîné. Il n'est pas rare de voir l'animatrice évoquer son fils aîné à l'antenne. En janvier dernier, alors qu'elle recevait le psychanalyste Gérard Millet pour discuter du documentaire Les Enfants du siècle, ils ne seront plus jamais les mêmes, Anne-Elisabeth Lemoine n'avait manqué d'évoquer ses relations quelque peu complexes avec Arthur. Je le montrerai à mon fils que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup grondé pendant la pandémie parce que justement, il faisait partie de cette jeunesse qui parfois ne respectait pas les règles du confinement. Je regrette de l'avoir fait, confiait-elle. À lire aussi j'ai chaud, Anne-Elisabeth Lemoine totalement déchaînée dans C'est à vous, elle lâche un surprenant détail sur sa vie intime article écrit en collaboration avec Cimedia.